Chers frères et sœurs en Christ, je vous présente le service divin de ce dimanche 4 février 2024 de l'Église néo-apostolique dans la communauté de Verviers en Belgique. Ce service est officié par l'évangéliste de district Polycarpe Naouézi. Alors, il est assisté par le prêtre Kabasele Jobson Chamobiai et le diacre Robert Nkasu Mukendi. Voilà, vous pouvez à présent suivre la parole d'aujourd'hui qui est dans les Actes des Apôtres, le chapitre 2, du verset 37 au verset 39. Bon service divin et bon dimanche à tous les chrétiens du monde entier. Soin de nous. Tu es ce Dieu qui nourrit nos âmes et qui, Père, prépare une place au ciel pour nous tous, sans exception. Tu es ce Dieu qui est rempli d'amour pour chaque être humain et ton amour, Père, ne connaît pas de limites. Ton amour traverse les frontières. C'est un amour pur. C'est un amour d'un Père. C'est un amour, Père, qui ne varie pas. C'est un amour constant, depuis la création jusqu'à aujourd'hui. Père éternel, ce matin, laisse-nous, Père, apprendre de nouveau. Père, laisse-nous de nouveau apprendre à te connaître, apprendre à t'aimer, apprendre à t'estimer. Nous voulons que ce matin, cher Père, que nous puissions, Père, toucher, Père, avec nos mains spirituelles, ta face. Nous voulons toucher ton cœur, bon Père, à travers nos prières, à travers, Père éternel, nos pensées, parce que nous savons, bon Père, que tu es présent et que tu nous attendais ici pour nous servir à travers la force et la puissance du Saint-Esprit. Cher Père, maintenant, ouvre ce matin nos cœurs pour que ta parole puisse trouver de la place, qu'elle puisse nous aider à grandir dans la connaissance, à grandir dans l'amour, dans la foi, et aussi dans l'attente du retour de ton Fils. Nous nous connectons maintenant avec nos frères et sœurs qui ne sont pas là ce matin. Nous prions pour nos malades qui sont à la maison. Nous pensons à tous ceux qui sont hospitalisés, cher Père. Nos pères aussi, nos cœurs se joignent avec tous ceux qui ont été frappés par des malheurs divers. Certains ont perdu un être cher ce matin. D'autres pères, cette semaine a été la semaine la plus difficile pour eux. Ensemble, bon Père éternel, nous te demandons de les aider, de les soutenir, cher Père. Et Père, qu'aucun ne soit oublié. Nous cherchons maintenant la connexion avec notre apôtre patriarche, l'apôtre des districts ainsi que notre apôtre. À travers eux, nous voyons tous les serviteurs de Dieu jusqu'à nos diacres dans la communauté. Veille sur eux tous. Veille sur ton peuple ce matin. Dirige ton regard vers chacun de nous, regarde nos cœurs, cher Père éternel. Et Père, accorde-nous de nouvelles sémences et donne-nous ta force pour que nous puissions augmenter notre force. Remplis ces lieux de ta présence et donne ta paix dans le cœur de tous. Exauce nos prières au nom de ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, chers bien-aimés, pour ce service divin, le premier service divin du mois de février,
L'apôtre Patriarche nous a donné une parole. Cette parole est tirée de Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 39. La parole dit ceci: car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Reprenez place, s'il vous plaît. Nous a dit que c'est le mois de février. La parole pour le mois de février est la suivante: il faut que nous nous focalisons sur notre Dieu. C'est ça la parole du mois de février. Et vous avez chanté: sur mon Seigneur, je me repose. Je pense que chacun de nous se repose sur quelque chose. Les enfants se reposent sur ses parents. Ils disent que nos parents sont là pour nous et nous pouvons compter sur eux. Et nous pouvons dormir tranquille. Quand papa et maman s'arrachent les cheveux pour voir un petit peu ce qu'ils doivent acheter, des choses qui manquent dans la maison, les enfants, ça ne les concerne pas. Ils se reposent sur leurs parents. Ils se disent: papa et maman sont là, ils vont faire le nécessaire. L'enfant est convaincu qu'il y aura une solution. Quelles que soient les difficultés que les parents rencontrent, l'enfant, lui, ça ne regarde pas. Et vous voyez, il n'y a pas assez à manger à la maison, et l'enfant vous vient et dit: maman, mon téléphone est cassé, il faut un nouveau téléphone. Maman, mes chaussures sont abîmées, il me faut de nouveau. Il ne connaît pas ce qui se passe dans le portefeuille de papa et de maman. Ce que lui voit, c'est seulement l'amour que les parents lui donnent et ce que les parents font. Et je reviens, c'est la même chose avec notre Père Céleste. Nous nous reposons sur lui. Ça veut dire que nous avons déposé toute notre confiance en Dieu. Et Jésus-Christ est venu, il est mort pour nous. Ben, on le sait, certains disent: oui, Jésus est mort, oui, je sais, Jésus est mort. Mais moi, ce n'est pas mon problème. Moi, je veux que Jésus-Christ m'amène au ciel. Parce que il tracasse plus d'eux que d'autres choses. Nous ne tracassons pas du reste. Or, Jésus-Christ, encore aujourd'hui, se tracasse pour nous. Ne pensez pas que Jésus-Christ a donné sa vie en sacrifice, que Jésus-Christ a laissé des apôtres, il les a équipés, il leur a donné la parole, il leur a donné le pouvoir de nous pardonner les péchés, et que Jésus a dit: bon voilà, tirez votre plan, je m'en vais. Non, Jésus se tracasse encore aujourd'hui, croyez-moi. Nous lisons dans les Écritures saintes que Paul, il persécutait les chrétiens. Il les persécutait, il les tuait, faisait du mal aux chrétiens. Mais ça faisait mal à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a rencontré Paul sur le chemin d'Emmaüs, c'est même pas d'Emmaüs, de Damas. Il a dit à Paul: Paul, tu me persécutes. Il dit ça à Paul. Or, Jésus était au ciel. Il ne pouvait pas persécuter Paul. Il y avait Paul. Ils n'étaient pas en contact. Mais le fait que les chrétiens souffraient, Jésus a considéré ça comme sa propre souffrance. C'est pour cela qu'il a dit à Paul:
tu me persécutes, tu me fais du mal, Paul. Parce que Paul était en train de persécuter les chrétiens. Il était en train de faire souffrir les chrétiens. Cher bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est encore au travail au ciel. Jésus-Christ n'est pas assis au ciel à rien faire. Il prend soin de nous, s'il vous plaît. On a un cantique, s'il vous plaît. La chorale, s'il vous plaît, un cantique. Notre paix. Dans la parole qu'il nous a donnée pour ce mois-ci, il a dit, focalisez-vous sur Dieu. Mettez tout devant Dieu. Oubliez tout le reste. Le reste ne sert à rien. Le reste n'est que des choses passagères. Des choses qui ne nous apporteront pas la vie éternelle. Un enfant de Dieu accompli, c'est un enfant de Dieu qui se focalise, son quotidien est focalisé sur Dieu. Un enfant de Dieu, un vrai croyant qui attend le Seigneur, qui attend le jour du Seigneur, il met Jésus-Christ au centre de sa vie. Il ne parle pas de Jésus-Christ, comme certains le disent, Jésus, Jésus, mais il vit Jésus dans son cœur, et cela se voit, il porte le fruit. On a toujours dit, le premier fruit, c'est l'amour. Moi, je vais vous dire sincèrement, à notre époque, le fruit aujourd'hui qui est le plus important, c'est la crainte de Dieu. Nous vivons une époque où il n'y a plus la crainte de Dieu. Mais les enfants de Dieu néo-apostoliques ont la crainte de Dieu. Et cette crainte de Dieu est visible. Il y a un saint respect pour notre Créateur. Si nous ne les manifestons pas, si nous ne montrons pas cette crainte, comment voulez-vous ceux qui nous accompagnent pourront s'y craindre Dieu? Si moi, votre évangéliste, n'ai pas la crainte de Dieu, comment voulez-vous que vous puissiez avoir la crainte de Dieu? Ce que je fais aussi en sorte que vous ayez la crainte de Dieu, que vous aimez votre Dieu de tout votre cœur, comme moi je l'aime de tout mon cœur. L'apôtre Patrias, dans la parole d'aujourd'hui, il nous demande que nous puissions transmettre ce message à la génération suivante. Pour transmettre le message à la génération suivante, moi-même je dois avoir cette connaissance en moi. Ce message doit être en moi. Qu'est-ce que je dois transmettre à la génération suivante, la future génération? Je ne vais pas seulement transmettre que Jésus est mort sous la croix. Je ne vais pas seulement transmettre le message en disant que Jésus avait dit que je reviendrai vous prendre. Il n'y a pas que ça. Ça, on l'entend à la télé. Ouvrez au YouTube, vous allez trouver des pasteurs qui enseignent ça. Mais ce n'est pas ça. Ce que je transmets à ma génération suivante, à notre génération future, c'est quoi? C'est notre amour pour Dieu. Ils se souviendront que nous avions un prêtre dans cette communauté qui aimait Dieu. Ils se souviendront que nous avons un évangéliste qui était prêt à tout abandonner pour son Dieu. Ils se souviendront que nous avons une chorale qui chantait jour et nuit, qui pleuve, qui neige, ils sont présents.
J'ai connu cela, mes bien-aimés au Congo. Et quand on disait qu'il y a un décès quelque part, le lendemain, le frère et soeur s'arrangeaient. La chorale devait être là le soir pour chanter. Certains venaient même chanter, ils ne connaissaient même pas la personne qui était morte, juste parce qu'on leur a dit que c'était un enfant de Dieu. Ils disaient, c'est le nôtre, je vais aller là-bas. C'est ce que nous transmettons à nos enfants. L'évangile, tout le monde, YouTube, allez sur YouTube, il y a des pasteurs qui enseignent. Mais nous, les néo-apostoliques, ce qu'on nous apprend à nous, c'est à transmettre l'amour de Dieu. C'est ça que nous devons transmettre. Et nous, vous le transmettons dans nos actes, pas seulement dans les paroles, dans la parole, mais dans nos actes. Jésus a plus enseigné dans les actes que dans les paroles. Jésus a parlé de l'amour, il était le premier à pardonner cette femme qui avait commis l'adultère. Il a pardonné. Les ceux qui étaient sous la croix, qui l'ont mis sous la croix, Jésus-Christ les a pardonnés. Je vous ai dit tout à l'heure, Jésus n'est pas au ciel en train de tourner le pouce. Jésus est en train de travailler. Il travaille encore dans nos âmes. Ça veut dire que Jésus-Christ a plus de travail que quand il était sur cette terre. Croyez-moi, quand tu es malade et quand tu as ta foi qui baisse, ne pense pas que Jésus au ciel, il est indifférent. Il regarde, il dit, tu veux déjà apporter les sacrifices, non, il n'a qu'à tirer son plan. Non, Jésus-Christ s'élève pour toi, il intervient pour toi. Et quand tu pries le soir à la maison avec des larmes aux yeux, que tu pleures, Jésus te regarde. Il a mal parce qu'il te voit pleurer. Moi, je n'accepterai jamais que ma fille pleure. Je vous parle, moi, en tant que papa. Je vois ma fille en train de pleurer, la première des choses, je dis, c'est quoi? Pourquoi tu pleures? Je suis prêt même à l'intervenir, même s'il faut aller la défendre, j'irai la défendre. C'est l'amour! C'est cet amour que Jésus a pour nous. Mes amis, il n'y a personne qui nous aime comme Jésus-Christ. Et c'est ces valeurs-là qu'aujourd'hui on nous demande de transmettre. Cet amour profond, cet amour grand, cet amour d'un frère. S'il ne nous avait pas aimés, il serait jamais mort pour nous. C'est parce qu'il nous a aimés de tout son cœur qu'il est mort pour nous. J'ai parlé une fois avec un ami de travail, on discutait lors de discussions, et on parlait des parents, et puis on parlait des parents, moi je lui parlais de mon papa, je dis mon père, je ne l'ai pas vraiment connu, j'étais le mort que j'étais encore trop jeune, et je connais mon père, et j'ai dit, si vous me parlez de mon père, je connais mon père, comme si j'avais vécu avec lui tout le temps. Vous savez comment je l'ai fait pour connaître tout ça? C'est ma mère qui m'a parlé de mon père. Et quand il a vu un de mes fils, il dit, c'est là, c'est vraiment ton papa. Il marche comme ton papa. Celui-là, c'est vraiment ton papa tout craché. Que je parle à mes enfants, je dis, si vous demandez à mes enfants, ils connaissent mon père. Ils n'ont jamais vu. Mais nous leur avons raconté ce que papa a fait, mon papa a fait, comment il était. Pourquoi? Parce que j'ai transmis ça à mes enfants. J'ai dit, à partir de là, je viens. Je mes grands-parents, à quel village, à quel ville, tout ça, c'est nous qui transmettons nos enfants. Et alors cet ami me disait, bon moi je suis à ma naissance, ma mère m'a mise au monde, et puis elle est morte tout de suite. Et je voyais qu'il était encore triste, il manquait cet amour de la maman. Il dit, c'est ma belle-mère qui m'a élevé. Et qu'est-ce qu'il a il a gardé? Il n'a pas vu sa maman, mais il a gardé cet amour de sa maman. Personne ne peut lui reprendre cet amour. C'est un vrai amour. C'est ce que nous vivons aussi dans la maison du Seigneur. Qu'est-ce que je peux vous donner? De l'argent? Non. Ce que je vous laisserai dans cette communauté, j'ai redit, je vais encore le redire aujourd'hui, je ne vous laisserai que l'amour que j'ai pour vous. L'amour de Jésus-Christ. Chaque prêtre laisse dans sa communauté quelque chose. Chaque prêtre, même s'il n'est plus là, on va dire, le prêtre tel, il est déjà décédé, mais on se souvient encore de lui. Parce qu'il avait fait une telle chose. Parce qu'il avait fait telle action. Ça, c'est ce que le Seigneur nous demande. C'est ce que la prophétie nous demande à nous, nous qui sommes là, vous et moi, de préparer à ce que nous puissions transmettre à la future génération l'amour que Dieu a fait. Qu'est-ce que nous pouvons encore transférer? Qu'est-ce que nous pouvons encore? C'est un transfert seulement. Je veux dire une transmission. Qu'est-ce que nous allons enseigner à la génération suivante? Mais nous allons leur parler aussi de ce que le Seigneur a fait dans l'Église néo-apostolique. De ce moment que nous avons connu, un moment difficile, où des frères et sœurs ont quitté l'Église et certains sont restés. Nous allons leur dire, nous sommes restés. Parce que nous savions que Jésus-Christ s'est manifesté ici. Parce que nous avions compris la chose. Parce que nous avons dit, même si nous ne comprenons pas, même si nous disons, c'est un peu compliqué ce que nous disons, mais nous avons fait confiance à notre Seigneur. Alors nous pouvons leur transmettre cela. Qu'est-ce que nous allons transmettre à nos enfants?
Je vous ai parlé tout au début de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu doit être la première des choses. Ensuite, l'amour de Dieu. Mais la grâce. Les enfants le voient, nous, que nous arrivons à pardonner aux autres. Ils vont nous imiter aussi. Ils vont dire à nos parents qu'ils pardonnaient facilement. Ils étaient prêts à pardonner. Et eux aussi, ils vont pouvoir le faire. Parce que ce que nous mettons dans les cœurs des enfants, nos enfants, aujourd'hui, un jour, mes bien-aimés, ils nous le rendront déjà nous-mêmes. Si je n'ai pas mis l'amour dans les cœurs de mon enfant, comment voulez-vous que mon enfant me rende cet amour? Comment veux-tu aller récolter le fruit de ce que tu n'as pas semé? Ce que nous sémons aujourd'hui, parfois nous le sémons dans la tristesse. Parfois c'est difficile, parfois on se dit, les enfants ne nous comprennent pas. Parfois les enfants sont un peu compliqués. Parfois, ils ne font pas exactement ce qu'on leur dit. Mais n'oubliez jamais, vous les déposez avec amour, ils s'en souviendront. Vous savez, aujourd'hui, je me souviens de quelque chose, que ma mère me donnait des chicottes quand j'étais enfant. Oui, elle me donnait des chicottes. Je me chicotais, elle me dit, tiens, va ranger ça. Et quand je fais encore une bêtise, va chercher ta chicotte parce que je vais encore te donner la chicotte. Mais non, on ne le fait plus. Mais je m'en souviens, mes bien-aimés. Ça m'a aidé, mes bien-aimés. Vous savez à quoi? À être comme je suis aujourd'hui. Ma mère, elle m'avait dit, ah, ce garçon-là, je ne veux pas te voir avec. Il est mal élevé. Je le vois, il ne vient pas d'une bonne famille. Il est mal élevé. Et c'est celui-là que moi, je préfère aller avec. Et j'ai pas ma mère passé devant. Qu'est-ce que je t'ai dit? Allez, viens, va chercher ta chicotte. Je suis ramené. Allez. Mais bien aimé dans le Seigneur. Oui, je ne dis pas que cette chicotte me manque, mais ça m'a permis à un petit peu à me redresser, à faire ce que mes parents voulaient. Aujourd'hui, vous n'aurez pas de chicotte, les enfants, ne vous inquiétez pas. Bon, voilà, on vous punit autrement. Mais c'est pour vous dire tout simplement, c'était ça même l'éducation. C'était ça même l'amour. J'ai dormi dimanche, matin, j'étais sorti en soirée avec des amis, j'étais devenu un peu plus grand. Ma mère venait, elle m'a réveillé, on va à l'église, tu me conduis à l'église? Je dis, maman, tu me conduis, non? Tu me conduis à l'église. Et je l'ai amené à l'église, en même temps, je reste à l'église. Et aujourd'hui, je suis fier de ce qu'on m'a transmis. Ce que nous apprenons aujourd'hui, mes chers bien-aimés, c'est bon pour nos enfants. Mais je parle aussi à vous, les enfants. Ce que vous recevez aujourd'hui de vos parents, ce que vous recevez de vos parents spirituels, ce sont vos prêtres, ce sont vos diacres, prenez-le. C'est pour vous. Vous aussi, vous allez voir, c'est automatique. Hein. Vous allez commencer à faire exactement. Vous savez ce que je prêche aujourd'hui, qu'est-ce que Jésus a prêché? Ne pensez pas que Jésus a prêché autre chose que ce que moi j'ai prêché. Je prêche ce que Jésus nous a enseigné par l'Esprit aujourd'hui. Je prêche exactement ce que les apôtres m'ont donné. L'Esprit de Christ est en moi. Cet Esprit, vous l'avez aussi, frères et sœurs. Et cet Esprit-là vous aidera à aussi aller s'aimer dans les cœurs de votre entourage. Un serviteur de Dieu nous a dit hier, Jésus, quand il est, avant de monter au ciel, il a dit à ses apôtres, vous restez à Jérusalem, n'allez pas rester vers les brebis perdues d'Israël. Ça veut dire que la communauté est Jérusalem. Restez à Jérusalem. Enseignez d'abord à Jérusalem. Chers frères et sœurs, enseignez d'abord votre famille. Enseignez d'abord vos enfants à prier Dieu. À prier Dieu, à mettre l'offrande. Chers frères et sœurs, apprenez à vos enfants à faire la petite prière. N'ayez pas peur, laisse faire ton enfant la prière. Même s'il fait mal ta prière, au moins elle s'habitue à la prière. Apprends à ton enfant, dis-lui, dimanche, c'est un jour du Seigneur. C'est un jour que nous réservons au Seigneur. Je me souviens, comme si c'était encore hier, quand j'ai eu mon ministère des diacres. J'étais un jeune diacre de 20 ans à peine. On m'a donné mon ministère. La première des choses qu'on m'avait dit par mon prêtre, tu vois, tu es habillé en noir et blanc. Dimanche, tu restes en noir et blanc jusque le soir. Donc, qu'est-ce qui se passait après le samedi divin? Oh, regardez, les frères et sœurs n'étaient pas venus. On allait rendre visite. J'allais avec le prêtre donner la sainte scène aux malades. J'étais en noir et blanc. On arrivait là-bas. Il y a une sœur qui nous attendait. Voilà. Une faisait un petit quelque chose, donnait quelque chose à manger. Et après, on continuait encore les visites jusqu'à 15h, 16h, 17h parfois. Je revenais chez moi à 17h avec ma chemise. Parce que là-bas, comme quand il faisait chaud, on mettait rarement le veste, on était toujours en chemise. Et je revenais avec mes affaires à la maison. Je me sentais bien, c'était le jour du Seigneur. Est-ce qu'aujourd'hui, dimanche, c'est le jour du Seigneur pour vous? Certains ont déjà leur planning, s'ils ont prévu des choses. Après les services divins, tout de suite, pouf, on part.
Or, il est écrit dans la Bible, Dieu sanctifia les dimanches. Il sanctifia les dimanches. Il dit, c'est les jours où je me repose. C'est les jours où notre âme aussi, comme vous l'avez bien chanté, mon âme se repose dans la maison de Dieu. Si vous ne vous reposez pas dimanche, si vous ne faites pas un peu, je vais dire, le jour où vous faites un peu un entretien intérieur, le jour où vous vous occupez un petit peu de votre âme, vous avez 6 jours pour votre corps, vous n'avez qu'un seul jour pour votre âme, c'est déjà difficile. Et vous voulez même prendre ces jours-là sacrés pour Dieu pour les mettre à vos propres occupations. Aujourd'hui, je dis, nous devons nous focaliser sur notre Dieu. Nous devons ensemble réfléchir à notre salut, méditer un peu à notre salut. Nous ne devons pas seulement nous focaliser sur les choses terrestres. L'apôtre Patriarche a dit, le mois de février, restons focalisés sur notre Dieu. N'oubliez pas, c'est la parole du mois de février. Tous ensemble, nous nous focalisons sur Dieu. Nous oublions un peu nos soucis. Les soucis, nous les aurons toujours, quoi qu'il arrive. Même si aujourd'hui, vous gagnez tous au loto dans cette communauté. Oh, bon, peut-être qu'il y a des communautés. Je ne sais pas si ça se passe, hein. Nous, au travail, on joue ensemble le jeu. Donc, tous ensemble, on joue. Depuis qu'on joue, on n'a jamais gagné de toute façon. Je dis, même si on le fait dans la communauté, on va commencer à jouer au loto, ce qui n'est pas permis. Si vous gagnez 10 milliards et vous vous divisez tous, vous savez quoi? Ne pensez pas qu'après, vous n'aurez pas de problème, vous n'aurez pas de soucis. Vous aurez toujours des soucis. Allez voir les riches. C'est les riches qui prennent beaucoup plus de drogue. Ah oui, le plus grand drogué, c'est les riches. Les cocaïnes, c'est cher, c'est vendu qu'aux riches. Ils ont beaucoup d'argent. Regardez vos stars que vous m'avez regardé sur Facebook. Regardez comment est-ce qu'ils vivent. Comment est-ce qu'ils terminent leur vie. Donc, je vous dis, ce n'est pas l'argent qui va faire votre bonheur. Votre bonheur, c'est Dieu. Votre bonheur, c'est Jésus-Christ. Et quand tu as compris ça, tu as compris le reste, tu as compris l'essentiel. Focalisons-nous que sur Dieu et sur notre Seigneur Jésus-Christ. Je peux même dire, focalisez-vous sur la communauté. Focalisez-vous sur l'œuvre de Dieu. Dimanche, apprenez cela. Je pense que les prêtres vous le disent. Dimanche, dites-vous, c'est le jour du Seigneur. Je ne suis pas pressé dimanche. Après le service divin, j'ai le temps de parler avec mes soeurs. J'ai le temps de faire la répétition. J'ai le temps de m'occuper de l'école de dimanche. Pour ceux qui travaillent à l'école du dimanche, j'ai le temps de regarder les enfants. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que j'ai le temps un peu de voir si les services d'hiver, tout si se passe bien dans la communauté? Il y a une lampe qui ne s'allume pas. Je suis frère, je vais réparer la lampe. Il y a une vis qui ne tient plus là. Je vais faire, c'est les dimanches. La semaine, on s'occupe de nous. Mais dimanche, c'est le jour du Seigneur. Et si nous le faisons, vous savez ce qu'il y aura? Nous aurons une bénédiction. Dieu déposera une bénédiction sur nous. Puisque Dieu a vu que nous travaillons pour lui. Tous ceux qui ont travaillé pour Dieu, et je ne vais pas les chercher dans la Bible, je vais vous dire sincèrement, moi j'ai travaillé, j'ai donné ma vie pour Dieu. J'étais là tous les dimanches, j'ai travaillé beaucoup pour Dieu. Et je suis témoin. C'est ce que je vais transmettre à mes enfants. C'est ce que j'arrête pas de dire à mes enfants. Vous savez quoi? Dieu m'a béni encore plus sur cette terre. Dieu n'a pas dit quand tu seras au ciel, je t'en donnerai. Il me les a donnés déjà sur cette terre. J'ai déjà ma récompense ici. J'ai déjà mon acompte sur cette terre. Peut-être les gens me regardaient, mais ils courent beaucoup le dimanche. Dimanche le matin, il arrive à Verviers, l'après-midi, il tient le service à Namur, et puis il est en Allemagne, et puis il est parti en Tunisie, et puis il est parti au Burkina Faso. Et vous voulez que je vous dise, Dieu me bénit déjà maintenant. Je n'ai pas besoin d'aller chercher l'histoire d'Abraham. Abraham, c'est moi. Ce que Moïse a vécu, moi je l'ai vécu. Ce que David a vécu, moi je l'ai vécu. Je pourrais dire le jour que je quitterai cette terre, je partirai avec des bagages. Vous savez des bagages de quoi? De tout ce que j'ai fait pour mon Dieu. Je suis riche en Dieu. Je suis fier d'être serviteur de Dieu. Je suis fier de servir Dieu. Je suis fier de venir dans la communauté. C'est la chose qui me préoccupe le plus. C'est vos âmes. Depuis hier soir, j'ai prié pour vous déjà. Depuis hier soir, vous savez ce que j'ai fait hier soir? Je n'ai pas regardé un film à la télé. Hein. Hier soir, j'ai préparé le service divin de ce matin avec le prêtre, le frère du ministère. On s'est mis ensemble, on a préparé le service divin. Pourquoi? Parce que ça me tient à cœur. Et Dieu, quand tu nous regardes, parce qu'à Dieu, on ne peut pas mentir. Qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Qu'est-ce qui te préoccupe? Certains hier, ils se préparaient, je veux mettre cette robe-là.
Tu dois mettre cette chaussure-là. Ah oui, c'est ce que vous avez fait, je pense. Mais est-ce que vous avez prié pour vous, le service divin? Qui a prié pour moi? Quand on vous a mis sur le Facebook ou sur WhatsApp l'évangile des disciples vient, qui a prié pour moi? Qui a prié pour dire au Seigneur, Seigneur, l'évangile va venir demain? Fais qu'on puisse avoir une parole demain. Que je puisse me réjouir, que je puisse être content demain quand je serai au service divin. Fais qu'il puisse me donner des paroles qui vont le réjouir. Qui l'a fait? Oui. Donc vous ne voulez pas focaliser sur votre service divin d'aujourd'hui. C'est pour cela que ça a commencé un petit peu avec beaucoup d'agitation. Que le diable est venu aussi s'introduire. Il a profité de l'occasion, il profite de cette occasion pour s'introduire, pour déstabiliser le service divin. Or, je priais pour ça. Je me suis préparé avec le prêtre. J'ai dit, demain, je suis à Verrier. Et le diable nous a écoutés. Ah, carcasse pas demain matin, je vais perturber ton service divin. Ah, tu vas voir demain matin. Mais moi, je suis plus fort que lui. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu en moi. Parce que l'esprit de Dieu est plus fort. Oui ou non? Oui. Qui est plus fort? Dieu ou le diable? Dieu. Mais oui. Je l'ai tout de suite détecté. J'ai dit, oh, je le vois venir. Vous savez comment il a fait? Toi, tu es rentré. On a fermé, les anges ont fermé la porte derrière toi. Et il était déjà passé. Je vais vous raconter. Puis je vais m'arrêter. J'ai servi en Tunisie. La peau des disciples n'est jamais venue en Tunisie. Je suis allé 2 jours à l'avance. C'est au mois d'octobre. J'ai loué l'hôtel où les services divins, la peau des disciples devaient tenir les services divins. J'ai loué les chambres de l'hôtel. J'ai tout préparé. J'ai été voir parce qu'après les services divins, on devait manger avec les frères et sœurs. J'ai été voir à l'hôtel pour comment est-ce qu'on pouvait manger. J'ai tout préparé. Ce qu'on allait manger, tout était prêt. Dimanche matin, le matin, je savais bien que moi je connais les diables. C'est parce que Jésus me l'a déjà montré. Parce que Jésus me donne un peu des indications là-dessus. Et Jésus nous dit de détecter si l'esprit qui est devant toi, si c'est l'esprit de Dieu ou l'esprit du diable. Alors, je sentais que le diable nous réservait une surprise. Là, pour des venir en Tunisie, dans un pays musulman. Ou peut-être, c'est la première fois qu'un apôtre vient ici. Le diable ne va pas faciliter les choses. Il va faire en sorte de s'asseoir quelque part. Je m'attendais, je priais. J'ai dit, Dieu, tu me le montres à l'avance. Ce gars-là ne peut pas être avant toi. Toi, tu es le plus fort. Tout est bien, les apôtres de disque arrivent devant la communauté de sœurs et un frère. Vous avez un petit texte et des fleurs pour l'apôtre des disques. Tout ça se passe très bien. Et puis, la peau des disciples, il va se mettre juste à côté de l'autel. Et je me rends compte qu'il n'y avait pas la liturgie. L'apôtre des disciples les lit en français. Il a appris à les lire en français. Donc, il ne va pas les faire en allemand. On ne va pas le comprendre. Oh, je me rends compte. Liturgie, mais c'est le diable qu'il a. Le diable, il est où? Il n'est pas encore là. On va voir. Voilà. Puis, le diable. Je vais vite, je prends ma tablette, je vais vite à la réception. Vous m'imprimez, j'en ai toujours dans mon ordinateur, on m'imprime. Je vais mettre directement à l'hôtel. En attendant, on a téléphoné au diable. Vous allez me dire, mais comment est-ce que le diable se balade avec? Parce que cette salle, c'est une salle qu'on a louée. Donc, on devait amener nos affaires à nous. Mais pourquoi ça n'a pas? Pourquoi ça n'a pas amené hier? Pourquoi ça n'a pas été avec la Bible? Ben, tout ça sont des questions par après que j'ai demandé un petit peu pourquoi tout cela s'est passé comme ça. Enfin, bref, quand les diacres arrivent, ils nous amènent un visiteur. Vous savez, c'était qui le visiteur? Le diable! Le diable, il rentre. Avec une tête, je regarde comme ça, ouh! Il n'a pas aimé parce qu'on lui a fait des reproches. Mais pourquoi tu as amené la liturgie chez toi à la maison? Pourquoi tu ne l'as pas laissé avec la Bible? Pourquoi tu ne l'as pas laissé avec les recueils? Pourquoi tu n'as pas laissé avec la Sainte-Sainte? Tu as amené ça chez toi. En fait, ça, c'est le diable, ça. Le diable a fait en sorte que le diable le prenne, qu'il ramène à la maison. Et ça, personne ne savait. La pauvre disque était déjà là. Alors, le diable, puisque le diable l'avait déjà utilisé comme l'avait utilisé Judas, le pauvre monsieur, il n'était qu'un instrument. Il arrive, on nous ramène le diable. Il arrive tout fâché. Pourquoi pour ça? Parce qu'on lui a fait la remarque. Tu n'avais pas amené ça. C'est le prêtre a dit non. Diable, ce que tu as fait là, c'est intolérable. La peau des disques là. Papa. Et moi aussi, vous me connaissez, j'ai rajouté aussi une couche. Alors, notre diable arrive.
Il nous amène l'invité surprise que personne n'avait invité, le diable. Il était là dans le coin pendant le service divin, il bouillonnait. Il bouillonnait, le diable. Il n'a pas suivi le service divin. Parce qu'il sait, quand je lui dis par après, quelle parole est-ce que nous a donné hein? Comme si je venais de les ressusciter. L'apôtre des disciples partait 2 heures après. Je l'ai pris tout de suite après le service divin. On a mangé avec l'apôtre des disciples. C'était la joie dans la communauté. Les gens de l'hôtel très sympathiques, ce sont des musulmans. Ils nous ont. C'est une grande joie. L'apôtre des disciples m'a dit, dans les pays des missions, et ça c'était beau, il a dit à nos jeunes frères, je n'ai jamais vécu ce que j'ai vécu chez vous. En fait, le diable a raté son coup. Il n'a pas su nous déstabiliser. Mais il n'avait pas dit encore ce dernier mot. Je prends la tour des disciples avec le frère des ministères. On l'amène à l'aéroport. Il prend son avion. Il décolle. Nous, on retourne à l'hôtel. Parce qu'il y avait encore déjà l'hôtel. On arrive à l'hôtel. Notre diacre, le diable, lui, ne l'avait pas quitté. Nous, tout était réglé. Il avait encore ça dans le cœur. Alors, il commença. Il était fâché. J'ai dit, quelle histoire, comment les diables peuvent être forts, comment les diables peuvent jouer avec les cœurs. Et quand je lui demandais quelle parole la police nous a donnée, il se souvient pas. Je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme si je l'avais ressuscité, comme je l'ai dit. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Vous savez ce que nous avons fait? Nous avons prié. Nous avions fait, je l'ai détecté tout de suite que c'était le diable. Et je lui ai dit, le diable t'a utilisé pour t'enlever la joie. Tu étais le premier à t'organiser pour la vie de la peau des disciples. Regarde aujourd'hui, qu'est-ce que t'as retenu? Rien. Est-ce que tu as eu la bénédiction que la peau des disciples nous a donnée? Rien. Ton cœur était fermé. Et le diable t'a empêché de recevoir ce que Dieu t'avait apporté. C'est ce qui se passe parfois ici, dans les communautés. Quelqu'un, un petit problème, un petit lien que vous pouvez résoudre. Le frère explose, la sœur explose. Vous ne me connaissez pas. Vous ne me connaissez pas, comment je me fâche là? Et le diable nous a dit ça en fait aussi. Vous ne me connaissez pas, tu ne me connais pas. Ouh! Je l'ai pris de côté. Nous avons prié. Et ça s'est bien passé. Je vous prie aussi ici que vous transmettez ça. Je vous transmets ça parce que le jour qu'il y aura quelque chose dans la communauté, prenez toujours le temps de dire la première des choses, ça c'est bien. Même dans la famille, hein, tout, ça c'est les liens qui viennent rendre visite. Il veut diviser l'église de Christ. Il veut diviser les enfants de Dieu. Parce que pour lui, tout est déjà terminé. Il est déjà jugé, il est déjà condamné. Mais nous, on n'est pas jugé. Nous, on n'est pas condamné. J'ai parlé avec quelqu'un, un homme incroyable, d'une église. Il m'a dit, nous nous attendons Jésus pour le jugement dernier. Jésus a dit, il est écrit dans la Bible, j'aime bien lire la Bible là, et Dieu jugera tous les hommes. Quand Jésus reviendra, il jugera les hommes. Tous les hommes seront jugés. Oui, l'apôtre Paul a écrit à un moment donné, il faut lire un peu le contexte. Lui dit, tous les hommes. Alors je lui ai demandé, toi tu seras jugé. Ah oui, tout le monde, même le mort, même les vivants, tout le monde va être jugé. Il était surpris que moi je lui dise, moi je ne serai pas jugé. Comment ça qu'il me dit? Tu commets, tu fais toujours des fautes. Je lui ai dit, c'est lui qui est assis. N'a plus besoin d'être. Quand un juge te prononce la grâce et dit, voilà, tu es gracié, c'est terminé. Quand le roi te dit, il va en prison, t'es tout va en prison, t'es dit, t'es gracié, parce que le roi a le pouvoir, il est fait une fois par an, le jour de son anniversaire, ou tous les 10 ans, je ne sais pas comment ça se passe en Belgique, quand le roi t'est gracié, tu es gracié. Alors je lui dis, puisque je suis un héros apostolique, je ne serai plus jugé, mon frère. Ah bon, pourquoi? Parce que je t'ai gracié. Bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, d'ici là, nous serons de nouveau graciés. Le pardon des péchés, c'est la grâce. Jésus nous dit, vos péchés vous sont pardonnés. Aujourd'hui encore, on va profiter de cela. Retenez tout ce qui a été dit dans la maison de Dieu. Prenez-le pour vous. Amenez-le à vos enfants, à votre entourage. Témoignez l'amour de Jésus-Christ. Dites à ceux qui sont autour de vous, je suis un croyant, je crois en Jésus-Christ, et je sais que Jésus viendra me prendre un jour. Et si nous faisons cela, nous réjouirons les cœurs de notre Seigneur, et en plus de cela, il bénira, pas seulement nous, il bénira aussi nos enfants, nos arrière-petits-enfants, parce que nous avons plu à notre Seigneur.
Jésus dit ceci, Dieu dit ceci à propos de David, c'est les mots qui reviennent tout le temps dans la bouche de beaucoup de chrétiens. David, c'est mon serviteur, selon. Vous ne suivez pas. Oui, on suit. Oui. Jésus, qu'est-ce que Dieu dit? David, c'est mon serviteur. Selon. Ah ouais. Pourquoi vous savez pourquoi? Parce que avant Dieu dit, j'ai sondé le cœur de David. J'ai vu qu'il est conforme au mien. Ça veut dire que David, il est comme moi. Il a le même cœur que moi. Et c'est comme ça que David a été apprécié par Dieu. Parce que David, il avait un grand cœur. Et Dieu a apprécié le cœur de David. Et c'est pour cela qu'il dit, c'est un homme, selon mon cœur. C'est mon serviteur, selon mon cœur. Et je voudrais aussi que ce matin, que le Seigneur vous regarde, qu'il dise, je vous ai sondé, j'ai vu ton cœur, j'ai vu la profondeur de ton cœur. Tu es ma servante, tu es mon serviteur, selon mon cœur. Que je t'aime. C'est ce que je vous souhaite tous. Que notre Dieu soit loué. Amen. Amen. La chorale, je vous sollicite encore. Un cantique, s'il vous plaît, et je vais appeler notre diacre à venir nous servir. 150. La promesse de Jésus-Christ, la promesse qui nous dit que sa parole subsistera éternellement. Et ce qui nous ramène à une mission principale, la mission de transmettre cette parole et la volonté de Dieu aux générations futures. Quand nous parlons de générations futures, ici nous voyons nos enfants. Parce que nos enfants, tant que parents, nous avons différentes missions. La mission de les envoyer à l'école pour acquérir les connaissances et les compétences. Mais à côté de ça, il y a une mission très principale qui est celle de le préparer, comme nous avons toujours l'habitude de le dire, de le préparer à la vie éternelle, au salut. Et cela passe par leur transmettre la foi, leur faire connaître la doctrine néo-apostolique. C'est ce qui va faire que l'Église, la communauté va survivre de génération et que les enfants seront préparés. Donc comme l'évangéliste l'a bien dit ici, qu'il y a d'une part les instruire sur la foi, sur la parole de Dieu, mais aussi d'être des modèles. Et ça ne sert à rien de dire à l'enfant d'aimer Dieu, d'aimer la parole de Dieu et de connaître Jésus-Christ comme la voie du salut, sans que soi-même, on n'est pas un modèle. L'enfant regarde, l'enfant dit, voilà,
C'est bien que les papas, la maman nous amène à l'église tous les dimanches. Mais comment il vit avec nous, comment il est avec nous, comment il est avec son entourage. Et tout ça, Dieu a mis l'intelligence à l'enfant pour comprendre que est-ce que cette personne est dans une bonne direction ou pas. Si c'est la mauvaise direction, malheureusement, c'est celle-là que l'enfant prendra. Donc ici, nous disons aussi que les enfants dans une communauté, dans une église, c'est une richesse, une bénédiction. J'ai toujours vu quand nos serviteurs, nos apôtres, les anciens, les évangélistes, quand ils viennent ici, ils ont la grande joie de retrouver beaucoup des enfants dans la communauté. Ce n'est pas seulement la joie parce que les enfants sont là, mais c'est par rapport effectivement à l'avenir, au futur. Ils se disent que cette église a de l'avenir. Là, ce sont ces enfants-là, ces enfants. Edwin, qui demain deviendront des conducteurs, deviendront des responsables de cette église et les transmettront aussi à leurs enfants. Donc, pour les parents, je nous dis que nous devons prendre cette mission très, très au sérieux et aussi donner beaucoup plus d'amour à nos enfants parce que l'amour, c'est quelque chose de responsable et ça se transmet hein, par rapport à ce que nous ressentons. Et ils auront ça comme une valeur, et qui est une valeur très importante pour grandir en foi et pour grandir en esprit selon l'enfant de Dieu. Voilà ce que j'avais un peu à partager avec vous ce matin. J'ai dit ceci au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. 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 Il y a une chose aussi que nous pouvons partager avec nos enfants. Le diacre vient de nous dire, nous devons leur apprendre l'amour, nous devons leur témoigner l'amour. L'amour, même les non-croyants le témoignent, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Mais nous, les chrétiens, qu'est-ce qu'on doit témoigner le plus? C'est l'amour de Dieu. En fait, les valeurs que Jésus nous a enseignées, nous les transmettons à nos enfants. Et maintenant, nous allons fêter la Sainte-Sainte ensemble. La Sainte-Sainte, ça veut dire quoi? Que nos péchés seront pardonnés. Nous allons faire la prière commune, qui est la prière de notre Père. Et ça, un enfant le prend à la maison. Il faut que maman, surtout maman, qui est beaucoup plus proche de l'enfant, ou papa aussi, qui donne un coup de main, c'est que dit à l'enfant, récite-moi de notre Père. Et l'enfant récite notre Père. S'il se trompe, les parents corrigent. Ne dites pas, ça c'est le travail de l'homme. Même quand tu vois ça, tu dis, on était à la lune à l'école de dimanche, tout ça, ça n'est bien fait. Mais que toi tu fais quoi? Ce n'est pas le moniteur de l'école du dimanche, une demi-heure ou une petite heure qu'il a avec, qui va apprendre tout. Toi, tu es avec tes enfants à la maison, tu as tout le temps de les apprendre. C'est à toi, c'est ton travail, c'est ta mission à toi. C'est à nous de les faire, ce n'est pas l'école du dimanche. Et nous apprenons aussi à nos enfants de ne pas voler, de ne pas tricher, de ne pas mentir, et de toujours dire la vérité. Et si, nous le faisons, il faut le faire. Et quand l'enfant, tout de suite, il ment, tu dis, t'as menti, tu ne peux pas mentir. Et l'enfant sait que mes parents me disent que je ne peux pas mentir. Il grandit comme ça. Il grandit comme ça. Dans une famille, les parents et les mamans, à la maman disent des gros mots, ne vous étonnez pas que cet enfant ira à l'école. Parce que vous apprenez. Ah oui, ça fait partie même des éducations. Et j'ai vu des parents... disent même des gros mots, leurs enfants sont là. Ils trouvent normal. Ben oui, vous voyez, l'éducation est différente. Nous, les chrétiens, le faisons. Ce n'est pas parce qu'on nous apprend comme ça à l'église, mais parce que ça fait partie de nos valeurs. Parce que nous avons l'amour de Dieu. En plus de ça, nous sommes des êtres bons. Parce que toute personne a quelque chose de bon en nous.
C'est parce que peut-être là où il a grandi, les milieux où il a grandi, c'est pas un beau milieu. Et alors, il devient comme les gens de ces milieux-là. J'ai pensé à quelque chose. J'ai vu un enfant que chez moi, il y a une crèche, il y a un enfant musulman qu'on garde chez moi. Et alors, on donnait des jambons aux autres enfants. Et on lui a dit, ça, je peux pas manger. Petit enfant, de quoi ? 5 ans, 6 ans. Je peux pas manger, il a dit ça. Non, ça je peux pas manger. Ah, il dit pas que papa et maman m'ont dit de ne pas manger. Non. Il dit moi. Je peux pas manger ça. Vous voyez, mes chers, c'est quoi? C'est qu'on a déjà travaillé déjà sur son cœur. On a déposé des choses dans son cœur. Déjà tout petit. Et les chrétiens. Est-ce que nos enfants, ils nous disent papa, maman, ah, on n'a pas encore prié avant de dormir? Dans les familles ici, il y a peut-être quelques familles qui le font, je ne dis pas que. Mais il y a quelques familles qui le font, d'autres qui ne le font pas. Donc, vous voyez, qu'est-ce que vous allez donner à votre enfant? Si les soirs, papa et maman vont dormir, et quand tu demandes à papa, moi j'ai prié tout seul, maman, j'ai prié tout seul. Non, c'est avant de dormir, on se lit, ou avant de manger, on prie tous ensemble. Avant d'aller dormir, on prie encore ensemble. Une fois, on prie ensemble. Et si je le fais chez moi, les enfants, ils vont le faire chez eux. Si je ne le fais pas, et demain je commence à dire à mon enfant, pourquoi tu ne viens pas au service divin? Mais si tu ne l'as jamais fait, je quoi? Je ne vise personne, mais il y a des familles ici qui ne prient pas le soir ensemble. Si je demande aux enfants juste après, ils auront peut-être l'école de dimanche tout à l'heure, je vais leur demander, est-ce que vous priez avec les parents? Non. Oui ou non? Vous connaissez, hein? Si. Oui. Si, le parent, oui, de temps en temps, on prie parfois. Est-ce que vous, quand vous mangez, vous priez avant de manger? Oui, hier, par contre, on n'a pas prié. Et pourtant, ça doit être naturel. Comme cet enfant-là qui nous a dit, moi, je ne mange pas ça. Et puis, cette conviction. Et c'est ça que nous allons transmettre à nos enfants, chers frères et sœurs. Ne vous inquiétez pas, vous aurez le temps de discuter en famille. Ne vous prenez pas la tête, mais ce n'est pas le moment. Vous aurez le temps, les enfants, vous aurez le temps de régler vos comptes avec vos parents. Maintenant, nous allons fêter la Sainte Cène. Alors, Jésus-Christ nous donne encore une fois quoi? À travers la Sainte Cène. Qu'est-ce qu'il y a là, la Sainte Cène? Et pourquoi nous prenons la Sainte Cène? Ça, chacun de nous doit le savoir. Et les enfants, n'hésitez pas à poser des questions à l'école de dimanche. Pourquoi est-ce que nous prenons la Sainte Cène? Ce n'est pas juste parce que nous devons nous rappeler la mort de Jésus. Non, pas oui, évidemment. Oui aussi. Mais il y a un élément qui est essentiel. C'est que dès que je vais dire le corps et le sang de Jésus, je vais les consacrer, ça devient réellement le corps et le sang de Jésus. Et ça change tout. Et qu'est-ce que le corps et le sang de Jésus nous apporte, nous, à notre époque? Notre défense. Là, encore, il y a la nature de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui l'a dit, c'est lui qui prendra mon corps et qui mangera mon cœur, qui buvra mon sang, aura la vie. Jésus n'a pas dit, vous allez vous rappeler de moi. Si, il a dit à un moment donné. Mais à un moment donné, il a dit, si tu ne vois pas mon corps, si tu ne vois pas mon sang, tu n'auras pas la vie éternelle. Parce que là-dedans, il y a la force pour nous aider à nous transformer. Là-dedans, il y a la force pour nous aider à vaincre le mal qui est en nous. Nous ne pouvons pas nous-mêmes le faire sans l'aide de Jésus-Christ. Alors, nous venons fêter la Sainte Cène. Et tout à l'heure, quand vous prenez la Sainte Cène, ne pensez pas, c'est l'évangéliste qui me le donne. Non, c'est Jésus-Christ lui-même qui me le donne. Parce qu'il dit, là où il y aura un ou deux, moi je serai les quoi? Troisième. Voilà, je suis dans notre milieu. Et aujourd'hui, ce matin, c'est lui-même qui va nous donner la Sainte Cène. Et si on sait ça, si c'est là-dedans, le service divin, pour nous, aura de la valeur. Parce qu'on va dire que Jésus-Christ est dans notre milieu. Que notre Dieu soit loué. Amen. Amen. Et pour la Sainte Cène, il y a un chant prévu. Oui. Le numéro 20. Le numéro 20. De nos recueils? Oui. Oui. Yeah.
Lèvons-nous pour réciter la prière que notre Seigneur Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Selon la mission que j'ai reçue de l'apôtre mon mandant, je vous annonce la bonne nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant, vos péchés vous sont pardonnés et la paix du ressuscité soit avec vous. Amen. Amen. Éternel Dieu, merci pour ce pardon des péchés que nous n'avons pas mérité, que nous avons obtenu ce matin dans ta maison. Tu as sillonné nos cœurs, tu as vu ce qui s'y passe, tu as vu nos troubles, nos soucis, nos larmes et nos fardeaux. Et tu nous les as déchargés ici, cher Père. Nous ne l'avons pas fait nous, mais c'est toi qui es venu vers nous pour nous aider à décharger. Parce que nous ne savions pas comment le faire. Nous ne le voyons pas, mais nous pouvons parfois le ressentir, ce poids qui est dans nos cœurs et dans nos pensées. Et tu es là pour nous soulager ce matin. Et tu nous as soulagés par ta parole. Tu nous as remis, tu as remis les choses en place pour que nous puissions nous focaliser que sur toi et sur notre Seigneur Jésus-Christ. Merci aussi pour l'activité que le Saint-Esprit accomplit dans ton Église. Et tous ceux qui sont inspirés par ton Esprit et ceux qui le portent sont tes enfants. C'est le Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes tes enfants et que nous t'appartenons. Mais aussi c'est le Saint-Esprit qui nous instruit à l'intérieur et qui nous prépare pour le retour. Nous en sommes conscients et c'est le Saint-Esprit qui travaille au milieu des apôtres. Car c'est le Saint-Esprit qui conduit les apôtres, qui conduit les communautés. Père, fais que notre communauté soit une communauté vivante, une communauté des craintes de Dieu, une communauté d'amour et de partage. Cher Père éternel, accorde-nous maintenant à travers la Sainte Seine la force qui nous manquait. Là où il y a encore des carences, que la Sainte Seine puisse les combler. Là où il y a, Père éternel, moins de force, rajoute des forces à travers la Sainte Seine. Là où il y a la peur, donne l'assurance à travers la Sainte Seine. Là où, Père éternel, il y a la maladie, par la Sainte Seine, la maladie sera guérie, car Jésus a guéri avec son corps, et tout ce qui touchait son corps était guéri. Et aujourd'hui, Père, nous avons encore cette possibilité de voir ce corps en esprit devant nous. Nous allons les toucher tous ensemble pour que nos maladies disparaissent. Accorde-nous au-delà de notre demande. Au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Amen. À présent, nous allons fêter la Sainte Seine. À présent, la table du Seigneur est prête. Au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je consacre le pain et le vin pour la Sainte Seine. J'y dépose le sacrifice unique de Jésus-Christ, valable en toute éternité. Car le Seigneur prit du pain et du vin, rendit grâce et dit : ceci est mon corps qui est donné pour vous. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Mangez et buvez, faites ceci en mémoire de moi. Car toute la fois que vous mangez ce pain, que vous buvez ce vin, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. 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 Prenez place, s'il vous plaît.
Nous allons remercier l'Éternel par une prière. Grand Dieu notre Père, merci pour toutes tes grâces. Merci pour les paroles, les conseils. Merci pour ta consolation. Merci pour ta fidélité. Merci pour tout ce que tu nous as donné. Merci pour nous avoir préparé l'avenir auprès de toi. Nous ne méritons pas d'être à tes côtés, bon Père, parce que nous sommes encore que des pécheurs. Mais ton fils Jésus attend encore. Il attend encore que nous soyons prêts, parce que tous ne sont pas encore prêts. Il use encore de la patience à notre égard, parce qu'il veut tous nous avoir auprès de lui. Merci encore, Seigneur. Maintenant, bon Père, merci aussi pour les paroles qui ont été données dans nos cœurs. Merci aussi pour la communauté que tu nous as donnée, nos frères et sœurs que nous rencontrons ici. Nos frères et sœurs avec qui nous partageons de bons moments dans ta maison. Merci aussi de nous avoir donné des parents qui nous enseignent, qui nous donnent des valeurs dans ce monde difficile où les valeurs chrétiennes disparaissent les unes après les autres. Mais nous le maintenons dans nos cœurs grâce à la famille, grâce aux serviteurs de Dieu que tu nous as donné, cher Père, et qui se tracasse pour nous et qui se donne corps et âme pour notre maturité spirituelle. Cher Père, regarde aussi les offrandes, regarde aussi les sacrifices de nos frères et sœurs. Certains ont apporté leur sacrifice ici avec des larmes aux yeux. Certains ont eu de poids et des charges, ils l'ont déposé dans leur offrande. Mon Père, agrée leurs offrandes. En retour, accorde ta bénédiction et l'aide nécessaire. Aussi, à nous, tes serviteurs, donne-nous une foi forte, une foi capable de supporter les communautés, de supporter nos frères et sœurs, de les porter dans nos prières, de les soutenir et de les conduire. Toujours, Père éternel, avec amour, mais aussi avec détermination et courage. Nous voulons, Père, prendre tout ce que Jésus avait pour que nous puissions mieux conduire tes serviteurs. Nous savons que nous avons eu la Sainte Cène et nous avons eu tout ce que nous avions demandé, tout ce qui nous manquait, bon Père. Tu nous as donné l'essentiel, parce que tu sais ce que nous avons comme combat à mener. Tu connais nos combats à venir, cher Père. Tu nous as déjà donné des substances et de l'énergie pour que nous puissions faire face à tout cela. Mais nous comptons sur ton aide et nous nous focalisons sur toi, parce que toi, tu es notre Père et que toi, tu nous as déjà préparé une place et tu nous as aimés avant que le monde ne fût. Père, accorde-nous au-delà de notre prière. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Souhaitons un heureux dimanche à tous les chrétiens du monde entier.